À partir d'aujourd'hui, chaque semaine, on va alterner entre un street soccer tutoriel et un tuto terrain de foot. Donc bienvenue dans ce street tutoriel, j'espère que vous êtes prêts les gars. Let's go! Je pense que beaucoup d'entre vous ici connaissent le street soccer ou la discipline que l'on appelle le pana. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est une discipline où je suis champion du monde. Il faut savoir que les gestes utilisés dans cette discipline peuvent être très utiles au football traditionnel. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Et du coup, dans le street soccer, vous avez plein de familles différentes. Et l'une des familles qu'on a déjà vues, c'est celle des AK, dont les tutoriels sont en lien dans la description. Mais ne vous inquiétez pas, on va en voir d'autres. La famille qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle des ground moves. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici quelques extraits. Aujourd'hui, on va commencer par les basiques des basiques. On va commencer par les V-Move. J'espère que vous êtes prêts. Prenez votre ballon et let's go! Alors, pour cette première étape, ayez le corps assez droit. Si on appelle ces basiques les V-Move, c'est parce que vous formez la lettre V à l'aide de votre ballon. Le premier est simple, donc formez ce V tout en déplaçant votre pied d'appui. Pour le deuxième V-Move, vous allez toujours faire un V avec le ballon. Mais cette fois-ci, le ballon passe derrière votre pied d'appui. Puis vous la récupérez en reformant le premier V de la première étape. Tout simplement. Pour ce troisième V-Move qui est le plus compliqué, le ballon passe derrière votre jambe d'appui, sauf que cette fois-ci vous la récupérez du pied faible et vous la faites passer à chaque fois derrière cette même jambe d'appui. Et vous reformez un troisième V différent des deux premiers. Donc voilà, chers amis, c'était le street soccer tutoriel. Aujourd'hui, on a appris les V-Move. On a déjà appris les AK. Encore une fois, les liens sont en lien dans la description. Voilà, une semaine sur deux, on va alterner entre street soccer et vidéo terrain de foot. Dites-moi si vous avez kiffé. J'essaye plus ou moins de varier les vidéos histoire de vous faire plaisir et histoire de faire en sorte que ça plaise à tout le monde. Donc voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Bombardez les commentaires en me disant si vous avez aimé cette vidéo ou pas, du coup. Prenez soin de vous et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye bye.